Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver eh bien, dans cette nouvelle capsule pour cette semaine du lundi 21 au dimanche 27 août 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Eh bien, écoutez, on va terminer avec le tarot de Marseille. Donc, cette semaine, vous allez avoir la possibilité, comme les autres semaines, n'est-ce pas, entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Encore une fois, le tarot de Marseille n'a pas la science infuse. Il peut vous aiguiller dans une problématique que vous rencontrez, dans un questionnement, dans une réponse aussi, mais encore une fois, vous avez le libre arbitre, n'est-ce pas? Alors, je vais vous laisser un moment pour choisir votre carte. Soyez bien à l'aise hein, pour choisir votre carte. Quelle est la carte qui vous inspire? Posez votre question et puis choisissez entre la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien j'ai pigé la lune à l'envers. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette lune à l'envers ? Eh bien, elle vient nous dire qu'il y a des peurs, des obstacles, des difficultés, des choses que vous avez mal vécues, des replis sur soi, des peurs, de l'introspection, des confrontations, des choses qui vont être mises en lumière, des choses qui vous sont cachées. Eh bien, pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il ait des souvenirs douloureux qui refassent surface. Et c'est par rapport à certains souvenirs douloureux que vous avez de votre enfance ou des blessures qui sont toujours bien présentes. Et cela pourrait ressurgir d'une façon très violente. Il serait peut-être bon eh bien, de faire une introspection afin d'éclairer ces événements traumatisants qui restent eh bien, profondément enfouis au fond de vous et ça vous rend tellement triste, ça vous rend tellement malheureux. Cette confrontation que vous allez peut-être faire peut parfois être douloureuse, mais vous allez pouvoir mettre tout cela en lumière et faire un travail sur cette problématique. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans un flou total, mais alors total. La lune à l'envers, ça peut... Vous voyez, quand on la remet à l'endroit, il y a de la vase, il y a de l'eau et il y a de la vase. Donc, c'est ça le flou total. Vous ne parvenez pas à y voir clair. Vous vous égarez. Vous avez peur. Vous vivez des situations qui sont confuses et vous ne parvenez pas à en sortir. On a comme ça, l'impression que votre passé s'attache à vous. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser du passé. Il y a aussi des non-dits, beaucoup de non-dits. Vous allez peut-être découvrir des secrets cachés. En tous les cas, vous êtes dans une période de souffrance. On voit que vous voulez vous en sortir, mais vous ne savez pas quel chemin prendre. En tout cas, on vous invite à
contrôler votre anxiété et vos craintes en les surmontant, et notamment en croyant en vous-même. Vous êtes conscient de tout cela. Alors cette carte, la lune, à l'envers, annonce que les forces obscures responsables de votre confusion actuellement, votre mal-être présentement, eh bien, va commencer à se dissiper. C'est ainsi que vous allez commencer à contrôler vos peurs, tandis que les énergies négatives que vous avez subies, eh bien, vont commencer à vous libérer. Je vous souhaite beaucoup de courage et de confiance en vous. C'est important. Cette carte, la lune à l'envers, tire probablement la sonnette d'alarme. Côté professionnel, pour certains d'entre vous, on a l'impression que vous êtes dans un environnement professionnel trop routinier et trop concret à votre goût. Les gestes mécaniques et les tâches matérielles, eh bien, ne sont vraiment pas votre tasse de thé. Peut-être que le métier que vous exercez ne vous permet pas de vous épanouir et d'exercer votre créativité comme vous le souhaiteriez. Donc, il y a peut-être des choses à transformer. On vous dit aussi attention à votre entourage. Il y aurait peut-être une personne qui se trouve alentour de vous, qui tente de vous diffamer, voire même de vous nuire dans l'ombre. Il y a de la jalousie. Donc, maintenant, vous savez. En amour, eh bien, il y a un souvenir d'un événement vécu qui vous a beaucoup traumatisé et qui est enfoui dans votre inconscient. Si c'est le cas, il serait souhaitable que vous consultiez, mais vraiment, soit un thérapeute, un psychologue, pour mettre en lumière ce traumatisme. Car psychologiquement, vous n'y arrivez pas à refaire confiance. C'est quelque chose qui vous a détruit. Alors, certes, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, une sensibilité exacerbée, voire une hyper-émotivité. Et si c'est le cas, on vous invite à pratiquer des exercices de respiration, de la méditation, pour trouver, eh bien, une harmonie et une paix intérieure, n'est-ce pas? Alors, il serait aussi possible que vous vous ayez forgé une carapace, pour vous protéger. Mais cette carapace, elle vous isole des autres, hein? Et elle vous empêche de faire une rencontre amoureuse. En tous les cas, cet arcane peut également traduire votre sensation d'être le prisonnier d'une situation sentimentale qui ne vous convient pas ou plus. Donc, posez-vous les bonnes questions. Vous sentez-vous prisonnier ou prisonnière dans votre relation? Je vous souhaite une excellente journée, une magnifique semaine. Et on se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et à très vite. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 2, eh bien, j'ai pigé l'impératrice à l'endroit.
L'impératrice à l'endroit, votre part de féminité, est un merveilleux cadeau de la nature, n'est-ce pas? Alors pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez besoin de vous recentrer sur vous, de déposer les armes pour vous ressourcer après avoir dépensé beaucoup d'énergie à vouloir montrer que vous étiez bien là, n'est-ce pas? Et que rien ne pourrait vous déstabiliser. Aujourd'hui, vous pouvez laisser exprimer cette magnificence qui brille à l'intérieur de votre être, car personne ne connaît la grandeur de votre pouvoir créatif, qui rayonne bien sûr au-delà des apparences. Vous avez peut-être besoin, eh bien, de faire la paix, de profiter peut-être d'une période de gestation pour créer quelque chose de nouveau à votre image. Rien ne peut vous atteindre tant que vous garderez la tête haute et que vous ne faiblissiez pas devant la difficulté. Aujourd'hui aussi, vous pouvez concrétiser un projet, montrer que vous avez, eh bien, votre place, car rien ni personne ne pourra vous déstabiliser. Vous aurez peut-être envie, eh bien, d'aimer plus profondément et de donner un sens particulier à cet amour que vous pourriez redécouvrir auprès des vôtres. Vous pourriez aussi bientôt donner naissance à une partie de vous qui était en sommeil, en immersion, et elle pourra vous apporter force, ancrage et matérialisation de vos idées nouvelles. Prenez le temps de vous relier à votre féminité afin de vous accepter comme vous êtes, une lumière dans vos propres yeux. Côté professionnel, eh bien, l'impératrice est une carte qui annonce réussite et abondance. Attention, il ne s'agit pas de rêver votre succès, n'est-ce pas? Il s'agit de le mettre en œuvre, de concrétiser, de le mettre sur pied pour le concrétiser. À l'image du jardin dans lequel l'impératrice est assise, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez semer, arroser et prendre soin des plantes que vous voulez cultiver, tout en arrachant les mauvaises herbes. C'est un travail de longue haleine, mais vous savez, la récolte, elle sera à la hauteur de votre motivation et de votre investissement. Cette carte, elle est de meilleur augure encore si votre projet professionnel est artistique, créatif, ou si vous souhaitez lancer, eh bien, votre propre activité. Elle peut également symboliser un manager, une personne d'autorité ou un tuteur qui se montre maternant envers vous, qui vous conseille, qui vous guide. Vous pouvez vous appuyer sur cette personne et bénéficier de son aide. Alors, ne vous en privez pas, n'est-ce pas? Côté sentimental, eh bien, cette carte est considérée comme une carte très positive lorsque on la tire concernant l'amour. Si vous souhaitez consolider votre union par un acte symbolique, c'est-à-dire un mariage, une union civile, un pax, un emménagement, ou même avoir un enfant, avoir le désir d'avoir un enfant, eh bien, c'est tout à fait possible. Elle indique que l'énergie de la relation est fertile et que le lien entre les deux partenaires se renforce. Vous vous sentez
que de plus en plus, vous êtes à l'aise l'un avec l'autre. La relation progresse. Elle progresse vers beaucoup plus de maturité, de sentiments profonds. Elle avance bien, cette relation. Alors, l'impératrice, elle est aussi une carte sensuelle, comme la reine de bâton, n'est-ce pas? Elle peut indiquer que retrouver ou trouver sensualité et jeu amoureux est important. La sexualité dans un couple est très importante. Pour d'autres, si vous traversez des difficultés dans votre couple, eh bien, cette carte conseille de renouer le dialogue, la franchise et le respect sont vraiment, vraiment nécessaires, ainsi que l'empathie pour chacun qui le vit. Il est temps. Il est temps que vous vous ouvriez l'un à l'autre, d'exprimer ce qui ne va pas. C'est important quand même dans un couple. Exprimer, mettre de l'eau dans son vin. Comprendre le point de vue de l'autre. Être à l'écoute, le dialogue. Vous pouvez réussir à sauver, eh bien, votre couple si, encore une fois, si l'amour, vous l'avez encore. Tout ça, c'est ce que vous vivez, vous devez le savoir. Eh bien, voilà le message de l'impératrice pour cette semaine. Je vous souhaite en tous les cas une magnifique semaine, une très belle journée, et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. D'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Prenez soin de vous, mais en douceur. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien, j'ai pigé le soleil à l'endroit. Le soleil est synonyme de chance et de progrès. Cela signifie qu'est venu le temps, le moment où quelque chose d'important pour vous va être mis en lumière, va être révélé. Alors, cette belle arcane est la promesse pour vous d'un rayonnement spirituel sans précédent si vous savez franchir le cap par rapport à votre situation actuelle. Alors cette carte annonce aussi que vous allez, eh bien, avoir l'aide ou l'intervention inestimable d'une personne. Ce beau soleil symbolise des grandes valeurs telles que, eh bien, la fidélité, la liberté, mais surtout la vérité. Le soleil vous donnera une estime et une confiance en vous, vraiment très positive, qui vous permettront de franchir, eh bien, certaines étapes de votre vie avec grandeur et facilité. Question professionnelle, eh bien, cet arcane vous conseille de développer votre propre rayonnement intérieur pour que votre action professionnelle soit chaleureuse et pour que vos productions soient flamboyantes. Le soleil vous affirme que vous avez le temps de travailler, eh bien, votre petite touche personnelle créatrice. Maintenant que vous avez acquis du savoir et des bases, n'est-ce pas, vous pouvez vous y mettre. Elle annonce aussi une réussite éclatante professionnellement. Si vous êtes, certains d'entre vous en recherche d'un emploi, eh bien, cet arcane vous assure que vous serez compétent dans beaucoup de métiers et particulièrement dans les professions de la création matérielle
ou spiritual ou spirituel. Ça peut être l'art, le cinéma, la couture, artisanat, littérature, etc. Ou dans le cadre d'un sport collectif aussi. Si vous êtes étudiant, eh bien, cette carte vous orienterait bien vers une carrière politique ou sociale, car vous avez un fort pouvoir charismatique sur les autres et vous savez vous faire respecter. Votre sens de la droiture sera apprécié et fera de vous, eh bien, un professionnel exemplaire. En tous les cas, cette belle arcane vous promet une réussite particulière dans les métiers de contact, dans des rôles humanitaires ou médicaux aussi, car vous savez donner de la chaleur et de l'optimisme aux autres. En fait, dans toutes sortes de métiers, vous serez populaire et recherché, car vous associez avec naturel vos aptitudes et votre savoir-faire professionnel avec cette belle générosité de cœur. Vous serez, par exemple, eh bien, le chirurgien qui considère son patient comme un être sensible à qui il faut apporter du réconfort. Cette belle arcane vous encourage à participer aux activités d'équipe où votre énergie, votre sens de la fraternité et votre fidélité vous permettront d'être un élément vraiment moteur. Cette carte, elle voit en vous, hein, quelqu'un de vraiment très brillant, à qui tout réussit. Donc, voilà, maintenant, vous savez. Côté sentimental, pour certains d'entre vous, vous êtes sur la voie de l'harmonie sentimentale. Cette carte vous annonce que vous allez trouver votre double, votre âme sœur, celui ou celle qui va vous compléter parfaitement. Vous allez vivre, peut-être, pour certains d'entre vous, un énorme coup de foudre. Ou bien, le soleil confirme que la passion existe toujours au sein de votre couple. Et il vous demande d'entretenir cette flamme, parce que ça a besoin d'être entretenu. Cette arcane indique peut-être que vous avez besoin de vous isoler avec la personne aimée pour certains d'entre vous. Et elle vous invite à vous couper de temps en temps du monde pour mieux vivre aussi votre passion. Alors, dans vos contacts avec les autres, n'est-ce pas, le soleil vous invite à montrer beaucoup de subtilité et aussi de réflexion, de la vivacité. Il vous invite également ici à purifier vos intentions. Cet arcane est la promesse d'une période de satisfaction spirituelle, de plénitude. En tous les cas, elle vous félicite pour votre sens du partage et des échanges bienfaisants. Elle vous encourage, n'est-ce pas, à continuer à utiliser, eh bien, votre penchant à faire plaisir et à donner généreusement. Elle vous pousse même à aimer chaleureusement et sans mesure, car elle sait que vous ne concevez pas une vie sans amour et sans liens amicaux ou familiaux. Si maintenant vous désirez pour certains d'entre vous créer une famille, eh bien cela signifie que vous serez un père ou une mère efficace, vraiment et très présent. Par contre, elle vous demande cependant de veiller à ne pas être un parent dominateur. Vous auriez tendance, hein, à être dominateur ou dominatrice.
Il se peut que cette carte aussi vous rappelle un événement passé qui entrave votre évolution. Et cette carte, elle vous signale que le moment est venu d'éclaircir cette situation afin qu'elle se débloque. Ou bien la carte vous invite aussi à entretenir vos liens avec votre père ou toute personne faisant figure de père, tout en veillant à protéger votre jardin secret, encore une fois, n'est-ce pas? Alors, cette carte, elle peut aussi représenter une personne forte, nouvelle ou pas, dans votre entourage, qui va vous offrir son affection, désintéressée et vous aider énergiquement, à aller de l'avant. Alors, en amour, eh bien, le bonheur au sein du couple, des relations épanouies et enrichissantes. Voilà, ça c'est ce que l'arcane démontre. C'est vraiment l'harmonie qui prime et les couples qui symbolisent dans leur voyance sur l'amour, eh bien, connaîtront beaucoup de bonheur et de prospérité. Alors les célibataires qui retrouvent dans leur les célibataires peuvent retrouver quelqu'un eh bien que vous avez connu. Mais ça ne sera pas quelque chose que vous allez. Ça ne sera pas quelque chose à long terme. Par contre, vous pourriez faire vraiment une rencontre et ça sera vraiment une belle rencontre solide et durable. Et avec à la clé de nombreux projets d'avenir. Donc ça, c'est pour les célibataires. Donc vous pourriez faire une rencontre. Vous pourriez revoir quelqu'un de votre passé. Mais voilà, ça en restera là. Si même vous ressortez avec la personne, il n'y a aucun avenir. Par contre, il y a vraiment quelqu'un qui est sur votre chemin, tout en espérant que vous ayez fait votre deuil de votre relation passée. Et bien voilà pour cette magnifique arcane, le soleil. Je vous souhaite une toute belle journée, une belle semaine. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. À très vite.